Les étapes de la vie selon Jack Ma. Voici les grandes lignes. Avant 20 ans, étudier, apprendre en étant curieux, se discipliner. Entre 20 et 30 ans, trouve un mentor et suis-le. Choisis un patron dans une petite entreprise et apprends. Dans les grandes entreprises, il est trop difficile de monter les échelons, les employés ne sont que des maillons d'une grande chaîne. Dans les petites entreprises, plus petites que 10 salariés, il est plus facile d'être polyvalent. Selon Aberkan, si tu es attentionné, tu monteras très vite, capacité à recevoir de l'information égale attention astérisque temps. En parallèle, commence à construire ton business et lance-le à un moment opportun. Tu peux avoir plusieurs idées de business que tu lanceras à la suite sourire différentes sources de revenus. Entre 30 et 40 ans, si tu n'as toujours pas lancé de business, remets en question sur ta volonté à être entrepreneur, car difficile de devenir riche sans l'être, pas impossible mais difficile. Entre 40 et 60 ans, engage des jeunes, fais confiance aux étudiants et aux jeunes diplômés. Ce qu'on apprenait 20 ans auparavant a très certainement changé pour travailler. Si ton business n'est toujours pas lancé, c'est maintenant ou jamais. Le risque d'échouer avec les connaissances acquises plusieurs années avant augmente avec l'âge. Soit il faut se mettre à jour, soit il faut travailler avec d'autres personnes. 60 ans et plus, profitez, et si l'énergie de se lancer dans une aventure entrepreneuriale est encore présente, il faut le faire pour ne rien regretter.